Alors vous regardez comment l'autre se déplace, comment il tient son arme. De temps en temps, vous allez faire lame contre lame pour voir, ça s'appelle le sentiment du fer, pour voir comment l'autre réagit quand vous appuyez ou pas. Bravo! Hey, on peut acclamer le Seigneur! Quand vous mettez un coup sec avec votre tranchant sur son plat, ça fait une telle vibration dans la main que l'épée s'en va. Ça marche pas trop bien. Sauf que là, ça a marché, c'est un coup de chance. Et rappelez-vous, c'est à l'entraînement qu'on fait les trucs débiles. Ne le faites pas en vrai combat. Donc testez à l'entraînement et si ça marche vraiment, faites-le en combat. Si ça marche pas, vous risquez rien, vous êtes à l'entraînement. Ah. Avec une différence. Appuie. Appuie. Ah, mais sire, pas trop, pas trop. Non, parce que le forgeron de nos épées nous a demandé d'arrêter de le faire. Il n'est pas sûr des haubères, il est sûr de ses lames. Je pense que ça pourrait traverser les haubères. Alors, on a tout à fait le droit d'essayer d'attraper la lame de l'autre avec sa main. Mais si on la rate, on s'en prend une. On perd des doigts. Ouais. Parce qu'il y a une technique pour le faire. En sifflant. Vous vous sauvez ? Thank you.